ça me pose aucune difficulté, mais il faut juste que les... Là, encore une fois, Avec ce calcul-ci, et j'ai vu que ce calcul-ci il posait un tout petit problème à vouloir l'écrire trop vite et à vouloir expliquer comment on allait faire, j'ai fait une petite erreur. Je crois que je vous avais écrit ceci. Moins 2x carré plus 4x moins 1 dx. Et j'ai fait une boulette vu que je pense que je vous avais mis 0 en borne du bas. Est-ce que vous confirmez que l'intégrale que je vous avais demandé de calculer, c'était celle-là, mais avec une borne 0? Oui, donc si vous avez fait les calculs et décalé le changement de variable, vous avez une borne moins 1 qui apparaît. Donc si vous avez une borne moins 1 qui apparaît, vous ne pouvez pas appliquer vos intégrales de référence. Donc ça, c'est complètement de ma faute. J'aurais dû mettre 1, ce qui fait que si vous avez fait le changement de variable, la borne moins 1 que vous avez, ça devient une borne 0. Et à ce moment-là, le calcul de notre intégrale de référence marche bien. Donc c'était juste que je voulais vous reparler très très vite en fin d'heure de ce... du décalage pour pouvoir poser ça égal à quelque chose qui ressemble à une loi normale. J'ai pas fait gaffe du tout à ma borne du bas ici. Donc reprenons ça. Je vous l'ai dit deux façons. Je vais le faire d'une première méthode un peu rapide et après je vais redétailler comment vous pouvez trouver ça par analyse synthèse sans penser à la factorisation sous forme canonique. Mais en gros, ce que je vous ai rappelé, c'est que moins 2x carré moins x carré plus 4x moins 1. On peut l'écrire, alors je vais mettre moins 2 en facteur, mais c'est pas très très important. Ça fait du moins 2 facteur de x carré moins 2x, et la constante ne m'intéresse pas vu que ce n'est pas un carré parfait. J'ai pas deux fois la même racine. Donc ceci, l'idée, c'est de faire apparaître un carré parfait pour justement pouvoir transformer un changement affine. Donc l'idée avec, si on veut faire apparaître la force, ce qu'on appelle la forme canonique du polynôme, c'est de transformer cela en carré parfait. Donc puisqu'on a du x carré moins 2x, ça c'est clairement le début de x moins 1, le tout au carré. C'est ça qui va me donner du x carré moins 2x. Par contre, x moins 1, le tout au carré, si je le redéveloppe, ça me fait du x carré moins 2x plus 1. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que cette quantité là-haut, c'est x moins 1 au carré moins 1 justement. Parce que si je fais du x carré plus 2x, moins 2x plus 1, moins 1, je retombe bien à la fin sur du x carré moins 2x. Donc, j'étais hors ligne pendant 5 secondes, excusez-moi. Donc ce terme-là, je peux le réécrire x moins 1 au carré moins 1. Ce qui me permet maintenant, et j'ai mis mon égal ici, je vais plutôt le mettre un tout petit peu plus bas, que de réécrire que ceci, ça me fait du moins 2 fois x moins 1, le tout au carré. J'ai mon moins 1 qui traîne dans ma parenthèse, moins 1. Et donc ce que je peux réécrire, moins 2 fois x moins 1 au carré, et j'ai un moins 2 plus 1, donc j'ai un plus 1 qui traîne ici derrière en plus. Vu que j'ai un plus 2 moins 1, donc j'ai un plus 1. Donc maintenant, avant même de faire le moindre décalage dans cette intégrale, je peux la réécrire instantanément comme ceci. Exponentielle de moins 2 fois x moins 1 au carré plus 1 dx. Comme on l'avait dit mardi, la constante le plus 1 ce plus 1 un tout petit peu parasite, je ne trouvais plus le mot, qui nous gêne un peu pour poser notre variable, vu qu'on veut poser une variable affine. Clairement, la variable affine qu'on veut poser, c'est plus ou moins du t qui vaut x moins 1 ici. Ce plus 1, il nous gêne un peu, et on peut le sortir de l'intégrale. On peut voir ça comme du exponentiel de 1, intégrale de 1 plus l'infini, de exponentielle moins 2, x moins 1 au carré sur 2. Pas, il n'y a pas de sur 2, justement, c'est après le sur 2, pardon. Dx. Et donc, pour faire apparaître maintenant notre variable normale, on veut ce que, clairement ce qu'on veut maintenant, c'est poser t. On veut t tel que le moins 2 x moins 1 au carré soit égal en fait à du t carré sur 2. Je vais me permettre d'enlever mon calcul de polynôme à droite pour gagner un peu de place.
Donc on veut trouver t tel que ce polynôme devienne t carré sur 2. Bon bah ça se résout à peu près facilement. Pardon, dans l'intégrale de la variable normale, il y a un moins. Donc c'est du moins t carré sur 2. Ah, ce qui me donne justement, en multipliant des deux côtés, je vais multiplier par moins 2. Ça va me donner du 4x moins 1 au carré qui doit être égal à t carré. Ce qui me donne comme choix, tout simplement que t, ça vaut du racine de 4x moins 1 au carré. Et ça, vous devez le savoir, ça fait du t qui vaut du valeur absolue de... le 2, je peux même le sortir de la valeur absolue, j'ai pas besoin de le mettre dans la valeur absolue, ça y est, il n'y a pas de problème de signe. Mais ça fait du 2 valeur absolue de x moins 1 égale t. Alors, dernière ligne. Ça, dans mon cas, et dans notre cas de convergence d'intégrale, on n'a même pas besoin de la valeur absolue, on va pouvoir l'enlever. Alors, on ne va pas l'enlever pour une histoire de signe, on va l'enlever tout simplement parce que si vous posez à ça avec un moins, ça transformera justement l'intégrale qui est là avec un t carré sur 2. Et si vous mettez un exponentiel de t carré sur 2, bah, quand t va tendre vers plus l'infini moralement, cette exponentielle, elle va exploser vers plus l'infini. Cette intégrale, ça clairement juste grossièrement divergente. Sur un temps infini, on intègre une fonction qui va vers l'infini. Il n'y a aucune chance que l'intégrale soit finie. Donc forcément, ça, on peut se limiter au fait que x moins 1 doit être de, enfin que x et t doivent varier dans le même sens. Tout simplement, ça, c'est pour que l'intégrale converge. En gros, comme ça, on continue à avoir une exponentielle négative ici et ça marche bien. Donc maintenant, j'ai mon changement de variable affine. Je sais que si je pose t qui vaut 2 facteurs de x moins 1, je pourrais transformer tout ce qui est dans cette intégrale-là en t carré sur 2. Alors, il me reste à faire tout le reste du changement de variable, c'est-à-dire le changement de borne et le changement de vitesse, mais je me suis arrangé pour que le corps marche parfaitement. Alors, allons-y, faisons le changement de variable et le changement de vitesse. Je vais effacer tout ce qui est à gauche. Je vais garder ça là-haut. Je peux effacer le reste. Alors, allons-y. Hop, le changement de borne. Donc, le changement de borne. Je veux poser t qui vaut 2x moins 1. Donc, forcément, maintenant, si x est égal à 1, ça va me donner que t vaut 0. Cause du x moins 1. Je vais poser une borne pour x, mais je ne peux pas le faire, hein, mon changement de variable avec une borne infinie, donc je vais revenir à une borne grand A. Si x est égal à grand A, ça va impliquer que t va juste valoir 2 grand A moins 1. Ok, et donc maintenant, dernière chose, mon changement de vitesse, si t vaut du 2x moins 1, ça va me donner du 1, je dérive t, ça me fait du 1, il me reste du dt de ce côté-là, et de ce côté-là, je dois dériver 2x moins 2. Ça va me donner du 2 dx. Donc je sais que mon 1 dt vaut 2 dx. Donc c'est équivalent, c'est la même chose. Si j'isole x que dx que j'ai ici, à ce que dx, ça me fasse du 1 demi de dt. Au final, mon intégrale qui était de 1 à grand A de exponentielle moins 2x carré plus 4x moins 1 sur dx, ça me fait... Alors j'avais mon e moins 1. Non, c'était un e plus 1. Oui, c'était un plus 1 que j'avais sorti. Intégrale de 1 à a, je vais garder mes bornes de exponentielle de 2x moins 1 au carré dx. Avec un moins, c'est mieux. Le dx est surtout pas là. Il est à la ligne, je sais pas pourquoi je l'ai mis là-haut. Voilà. Et donc, je peux faire mon changement de variable proprement maintenant. Ça vaut tout simplement du e fois l'intégrale. Donc maintenant on est de 0 à 2a moins 1, c'est le principe. On s'est arrangé pour que le corps de la fonction, ça fasse du moins t carré sur 2. Et maintenant attention, le dx, ça fait du 1 demi de dt. Donc je vais remonter mon calcul, vous pouvez continuer en descendant, mais j'ai plus de place à l'écran. Le 1 demi peut clairement sortir de mon intégrale, ça me fait e sur 2. Intégrale de 0 à 2a moins 1 de exponentielle moins t carré sur 2.
TT. Et ceci, quand A va tendre vers plus l'infini, ça va clairement tendre vers E sur 2 intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins T carré sur 2 DT. Donc ça, je vais finir là-haut, on l'a vu par le cours de mardi, le E sur 2 c'est devant, et ceci c'est la moitié de la loi normale. Donc l'intégrale pour lier à la loi normale, elle vaut racine de 2pi. Donc ça, ça fait du racine de 2pi sur 2. Donc ça peut être une réponse finale du E racine de 2pi sur 4, ou bien sûr on peut rentrer le sur 4 dans la racine et essayer de faire des trucs dans une racine au total. Mais voilà une réponse valide sur sur ce calcul d'intégrale. Je suis désolé pour tous ceux qui ont fait un changement de variable correct avec une bonne idée, mais qui se sont retrouvés avec une borne moins 1 et qui étaient gênés par la borne moins 1. Il faut mettre une borne 1 pour que ça se passe bien, justement. Et clairement, on ne vous demandera pas l'intégrale avec une borne à 0. Hein. Le but, c'est qu'après changement de variable, ça se passe bien, et donc qu'on ait cette intégrale-là. Pourquoi la moitié? Parce que l'intégrale du cours sur la loi normale, c'était de moins l'infini à plus l'infini, et que cette fonction était paire, Hugo, c'est ce qu'on a expliqué mardi. Donc, ça fait la moitié de racine de 2pi. Elle est à apprendre aussi par cœur et elle fait racine de pi sur 2, cette intégrale-là aussi. C'est juste l'un ou l'autre. Est-ce que ça te va? Hugo, t'es toujours là? Donc, est-ce que ce que je viens d'expliquer te va ou pas pour te dire que c'est la moitié de la racine de pi? On avait dit que la fonction était paire, donc... Ah, c'est juste la façon de l'écrire, racine de 2pi sur 2. D'accord, oui, c'est juste, on l'a aussi réécrit racine de, au total, pi sur 2. Hein. Mais c'est la même chose ici. Ah, j'ai une main levée. Ah, je le vois en bas maintenant, les mains levées, c'est bien. C'est qui? Charlotte, oui. Oui, monsieur, d'ailleurs, dans le poly, en fait, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins x carré sur 2, et ça fait racine de pi sur 2. Oui. Et pourquoi tu marques racine de 2pi sur 2? Alors, justement, c'est la même chose. Je l'ai dit mardi, mais si vous n'avez pas compris, ça, c'est important. Alors, il y a deux arguments. Ça, j'en avais parlé mardi. C'est juste que la fonction exponentielle moins x carré sur 2, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine. C'est une fonction qui fait ça. C'est le graphe de la loi normale que vous avez vu, mais... Moralement, c'est une fonction qui fait ça. Donc, c'est une fonction qui est paire. Donc, si elle est paire, si je te... Alors, je viens de mettre des traits partout. Bon, tant pis. C'est une fonction qui est paire. Donc, je vais essayer de refaire mon graphe. Voilà. L'intégrale qui est là, Charlotte, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, est-ce que tu es d'accord qu'elle est forcément égale à l'intégrale de moins l'infini à 0? Oui. Ok. Si la fonction est paire, hein. Sinon ça ne marche pas. Mais sinon ici, ça marche. Donc ce qui veut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, on a dit qu'elle faisait racine de 2pi. Puisque la partie négative était par châle, ça fait aussi l'intégrale de moins l'infini à 0 plus l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et puisqu'on vient de dire que les deux... Mince, j'arrive plus à écrire. Ah, j'avais plus internet, excusez-moi. Donc ça veut dire que l'intégrale de moins l'infini à 0 plus l'intégrale de 0 à plus l'infini, ça fait racine de 2pi. Puisqu'on vient de dire que ces deux intégrales ont même valeur, ça c'est comme écrire que 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, ça fait racine de 2pi. Ça veut bien dire, je continue d'effacer ici, que l'intégrale de 0 à plus l'infini, si maintenant j'écris bien mon exponentielle moins x carré sur 2 dx, elle fait bien racine de 2pi sur 2. Ça, c'est ce que je viens de vous écrire aujourd'hui. Mais en général, quand on vous fait calculer des intégrales basées là-dessus, on n'arrête pas le calcul là, parce qu'en général, on préfère réécrire, je ne sais pas pourquoi, le racine de 2pi sur 2 comme racine de 2pi sur racine de 4, les racines pouvant se regrouper. Et ça serait écrit racine de pi sur 2. Et donc, c'est le même nombre. Racine de 2pi divisé par 2 en dehors de la racine, et racine de pi sur 2, c'est la même chose. Est-ce que ça te va, ça, Charlotte? Oui, d'accord, merci. Ah,
Les autres, c'est bon aussi pour ce racine de pi sur 2. J'aurais pu le réécrire racine de pi sur 2, hein, mais c'était juste pour vous. C'était justement pour refaire la réexplication de ce fameux moitié de l'autre intégrale. Il vaut 100 fois mieux que vous compreniez cette moitié de l'autre intégrale et que vous maîtrisiez l'autre intégrale que d'apprendre ce racine de pi sur 2 par cœur sans comprendre d'où il vient. Bon, voilà. Je rappelle, hein, puisque le changement de variable qu'on a fait est affine, on va vous demander de savoir le faire. Alors là, je vous en ai fait un compliqué. Parfois, on va vous laisser en faire, enfin, on va vous les laisser les faire sur des choses plus simples. Typiquement, un classique. Alors, c'est lié à un sujet de concours. Est-ce que je vais le retrouver? Je sais que je l'ai sur mon site, dans la liste des exos sur les intégrales impropres, ou maintenant sur les suites d'intégrales définies. Juste 10 secondes. Non, c'est pas dans cours, justement, c'est dans la liste d'exercices. Si je vais sur les intégrales définies, écrit comme. Non, c'est pas celui-là. EDEC. Oui, c'est mon exo de l'EDEC. Ok. Je l'ai écrit comme ça. C'était celle-là. On va en faire une autre qui va être beaucoup plus simple. Et ça, c'est de l'ordre de ce qu'on va vous demander sur ce genre de thème en concours. Les questions intermédiaires, typiquement, il y a un autre calcul qui ressemble à celui-là dans votre DM. Là, c'était pour vous montrer un cas compliqué, mais qu'on peut calculer des horaires pareils. On va en faire un plus simple, mais pour avoir la même idée. Donc, c'est basé de. L'exo est sur le site. C'est basé de l'exercice de l'EDEC 2019, exercice 3, mais de la voie ECE. Donc, EDEC 19, E, exo 3. C'est un exercice qui se fait très bien sur les suites d'intégrales parfaitement définies. Vous pouviez tout faire dans cet exercice jusqu'à maintenant. Mais à un moment dans cet exercice, j'ai écrit ça dans l'exercice pour que vous puissiez le faire en début d'année. On admet que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins nt carré dt, ça fait, et je l'ai écrit comme ça. Mince, il faut que je reprenne mon. J'ai écrit que ça valait. 1 demi, je l'ai écrit comme ça. Waouh, c'était pas joli. Je l'ai écrit 1 demi de racine de pi sur n. Je l'ai écrit comme ça. Donc ça, c'est dans l'exo. Ce que vous auriez eu au concours le jour J pour faire ça, est-ce qu'on va faire là? Pour vous en faire un tout petit peu plus compliqué, vu que j'avoue que ma forme canonique, elle vous gêne, alors que ce qu'on va vous demander, c'est beaucoup plus des choses comme ça. C'est calculer, pardon. À partir de la loi normale, calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins nt carré dt. Et donc là, l'idée, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est on a notre variable qui est ici. Et on veut ramener cette intégrale-là. On a plutôt, en parlant de l'exponentielle, le corps de la fonction, nous, ce qu'on voudrait, c'est du exponentiel moins x carré sur 2. Donc, quel changement de variable je dois poser pour pouvoir transformer mon exponentielle qui était en moins nt carré en du moins x carré sur 2. Donc là, le changement infime, il est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de petit truc en plus. Ici, le changement infime est beaucoup plus simple. Ah, d'ailleurs, je vais aller embêter du monde avec ça. Où est mon petit programme? Non, tiens, je vais lancer un dé, ça fait 18 dans la liste. Et là, on va faire encore un autre aléatoire. Hop. Je vais dans la liste des participants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kélian! Est-ce que tu peux me résoudre cette petite équation, Kélian? Le fameux. Donc là, en fait, je veux trouver. Oula, je. Excusez-moi, j'ai encore été coupé, j'ai eu une micro-coupure. Donc, Kélian, est-ce que tu peux me résoudre l'équation? Je veux trouver x tel que moins nt carré est égal à moins x carré sur 2.
comment tu fais pour gérer cette équation? C'est moi qui fais les calculs, mais je veux savoir les étapes. Alors, Kéliane, est-ce qu'au moins tu es là? Je t'ai dans la liste des connectés, mais je n'ai ni message dans le chat, ni truc vocal. Ah, ah, ouf. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me résoudre cette équation? Pas besoin de faire les calculs de ton côté, hein. J'attends pas ça parce qu'on va perdre du temps tous ensemble, c'est pour que tout le monde avance. Donc c'est plutôt quelle est l'étape à faire en premier? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'expliquerais ça? Ça peut être juste avec une phrase dans le chat, hein, mais. Ok, c'est quand même juste résoudre une équation de degré 2 pas très poussée. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Qu'est-ce que vous faites? On isole t carré. Pas du tout, Arthur. Ah, oh, quoique, on peut. Mais c'est. Oh. Ça marche aussi. Je pense que c'est pas forcément la meilleure idée, mais ça marche aussi. C'est plutôt x, oui. On veut trouver notre nouvelle variable x. Ça me paraît, moi, beaucoup plus logique d'isoler x. Mais vous le savez. Oui, on va multiplier par moins 2, Hugo, ça va être ça l'étape. On va se retrouver du coup, si je fais fois moins 2, on va se retrouver avec du 2nt carré égal à x carré comme tout à l'heure, enfin comme le calcul un peu compliqué tout à l'heure, mais en plus simple. Et là, à ce moment-là, je compose par la racine. Pardon, j'ai été recoupé, donc vous m'avez pas entendu. Et à ce moment-là, je compose par la racine. Quand ça me marque, quand je peux plus écrire à l'écran et que ça me marque que j'ai plus internet, vous m'entendez bien? Ah d'accord. Bon, comme c'est marqué que j'ai plus internet, j'ai un peu peur. Mais ok, tant mieux. Ça me fait du racine de 2nt. Pardon, de 2nt carré. Ce qui serait écrit encore une fois, si on veut être parfaitement précis, x égale racine de 2n fois valeur absolue de t. Et encore une fois, pour une histoire de convergence ou de pas avoir de problème de sens de variation, puisque de toute façon c'est nous qui posons le changement de variable, on ne s'embête pas avec un moins et on pose du racine de 2n fois t. Est-ce que ça vous va ce changement de variable? Donc maintenant on va aller embêter quelqu'un pour faire le changement de variable dans l'intégrale. Alors on va devoir revenir à des bornes finies. Alors, donc on va partir de cette intégrale-là. On va écrire l'intégrale de 0 à a de exponentielle moins nt carré dt. Et on va faire le changement de cette intégrale. Et donc, je suis tombé sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arthur, est-ce que tu peux me faire le changement de borne, enfin, ce que tu veux, l'étape que tu veux entre le changement de borne, changement de vitesse? Bah Arthur, t'as disparu? T'étais là il y a 2 minutes? Y a une des étapes qui doit être assez simple, hein. Enfin, il y a forcément des étapes, hein. Par exemple, le changement de borne. Alors, dans la première intégrale, quelle variable varie, Arthur?
T ou X? % d'accord. Si c'est T qui varie, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la variable T qui prend les bornes 0 et A. Donc si c'est la variable T qui prend les bornes 0 et A, et puisque maintenant on sait que le changement de variable qu'on veut poser, c'est ceci, il n'y a pas trop de difficulté pour poser les bornes en X, non? Ça va valoir quoi les bornes en X? Alors pas par plus l'infini, parce qu'on n'a pas le droit de faire des changements de variables dans une intégrale impropre. Ça c'est un théorème que vous verrez en deuxième année. Faire un changement de variable dans une intégrale impropre avec une borne infinie. Mais on remplace pas le plus l'infini par A, oui. Exactement, c'est juste ça. Donc ça va te faire en bas du 0 et en haut. Alors là c'est un tout petit peu plus technique à écrire dans le chat, mais ça va juste faire du racine de 2n fois A. Ah, ok, voilà pour le changement de borne. Ouais, je l'ai écrit parce que je me doutais que réécrire ça dans le chat, c'était pas terrible. Maintenant, le changement de vitesse. Le changement de vitesse, on fait juste de la dérivation terme à terme de cette relation-là, je vais le faire là-haut plutôt. Et on va rajouter à gauche un dx quand on dérive en x et à droite un dt quand on dérive en t. Donc ça fait quoi la dérivée de x par rapport à x? Toujours Arthur, hein, j'ai envie de t'embêter pendant 5 minutes. Ok, bon, quelqu'un d'autre? Est-ce que qui veut me dériver cette magnifique relation terme à terme? Personne veut se sacrifier, c'est si dur que ça de dériver. Ouh là là. Alors, on est sur 9. Ah si, il y a Alexis qui veut le faire. Vas-y Alexis. Bah, du coup, on a t dt égale à x sur 2, sur racine carrée de 2n dx. 1 sur 2n, c'est 1 sur racine carrée de 2n, c'est une constante. Du coup, ça fait 1 dt qui équivaut à 1 sur racine de 2n dx. Oui, tu l'as fait comme ça. Donc là, si je le fais à partir de la relation qui est là, la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de t c'est 1. X sur Donc il reste un racine de 2n ici. Mais bien sûr, moi, puisque mon intégrale de base, elle est en dt, je vais vouloir isoler le dt. Et donc c'est ce que tu m'as dit, Alexis, parfaitement. dt, ça va valoir du 1 sur racine de 2n dx. Exactement. Donc maintenant qu'on a le changement de variable, puisqu'on a tout fait pour que le changement de corps, non, c'était plutôt de cette ligne-là, puisqu'on a tout fait pour que le corps, ça fasse pile ce qu'on veut, on sait que la nouvelle intégrale, ça va faire l'intégrale exponentielle de moins x carré sur 2, et à la place de dx, on va mettre du dx sur racine de 2n. Donc j'ai fait mon changement de variable, il ne me reste plus qu'à calculer mon intégrale impropre. Donc maintenant je repars de mon intégrale là-haut, donc racine de 2n à a exponentielle moins x carré sur 2, on peut sortir du coup le 1 sur racine de 2n devant, ça pose pas de problème vu que ça ne dépend pas de x, et je me retrouve avec ça. Cette chose-là, ça tend, attention, c'est pas quand n tend vers plus l'infini, mais c'est quand a tend vers plus l'infini, vers du 1 sur racine de 2n, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Et encore une fois, je vais utiliser ma valeur de mon intégrale de référence. Donc je vais utiliser que c'est du racine de 2π sur 2. Et si vous voyez ce que.
En simplifiant, ça va me faire du racine de 2 pi sur 2n. Et j'obtiens bien mon fameux 1 demi de racine de pi sur n. Voilà pour ce calcul-là. Ce calcul-là est une question classique. Alors avec du n ou avec autre chose, mais ce genre de changement de variable pour calculer une intégrale liée à la loi normale, ça c'est assez classique. Parce qu'on va vous aller assez vite voir qu'on peut majorer plein de trucs par la loi normale. Et donc forcément si on majore et qu'après on intègre, bah, on a ces intégrales-là qui arrivent. Et donc il y a pas mal de calculs qui traînent comme ça. Est-ce que ça va pour cet exercice-là? C'est vraiment un exercice classique qu'il faut... Baptiste, tu comprends pas la bande du haut. À quel moment? Quand j'ai fait mon changement de variable, Baptiste? Ou quand j'ai fait tendre vers plus l'infini? Martin, tu vois pas ce que j'écris au tableau? Dans ce cas-là, déconnecte-toi et reconnecte-toi si tu vois pas ce qui est écrit. Ça peut être un bug là-dessus. Il faut tenter de déconnecter, reconnecter. Il n'y a pas trop le choix. Mais j'écris bien au tableau. Donc Baptiste, est-ce que tu peux me dire ce que tu comprends pas? C'est au moment du changement de borne. Ok. Donc c'est ce que j'ai expliqué à Arthur et ce qu'il faut maîtriser. Alors, le changement de borne. L'intégrale de base, quelle était la variable qui variait dedans, Baptiste? C'était t. Et on avait une intégrale qui allait de 0 à a. Donc ce qu'on sait, c'est que t vaut 0 au minimum, et on va jusqu'à t qui vaut a, entre guillemets. Maintenant, puisque on a la relation, ça c'est le changement de variable qui nous donne ça, on sait que x à tout moment vaut racine de 2n t, bah, si t vaut 0 et qu'on injecte là-dedans, ça fait x qui vaut racine de 2n fois 0. Donc racine de 2n fois 0, ça me donne le 0 qui arrive ici en bas. Et quand t vaut a, bah, x vaut forcément racine de 2n a. Ce qui me donne la borne qui est là-haut. C'est bon, ça te va? Voilà. Classique ça. Si je devais, si encore une fois, ça dans le programme de colle de la rentrée, ça fera partie des... de ce que j'appelle une question de cours, même si officiellement vous n'en avez pas forcément en colle. Dans les méthodes classiques à maîtriser, ça en fait partie pour moi. L'autre était peut-être un tout petit peu trop dur, mais celui-là par contre, c'est des exos classiques. La preuve, c'est donné en voie E, mais c'est aussi donné en voie S, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà pour les calculs basés sur nos intégrales de référence. On va continuer à faire des méthodes comme ça, et on va voir que toutes les méthodes type IPP, type... En fait, les méthodes de calcul sur les intégrales vont nous être très 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 utiles pour pouvoir faire des calculs sur les intégrales impropres. Donc allons-y. Faisons d'autres exercices basés sur ce genre de calcul. Le dernier que j'ai envie de mener de calcul, qui a un peu à voir avec ça, qui ne va pas être basé sur une intégrale de référence, mais qui a à voir avec des changements de variables et des calculs d'intégrales impropres. Un exo un peu long, il est peut-être corrigé celui-là, du coup c'est peut-être pas la peine que je le fasse moi-même ici, je vous mettrai peut-être en lien. Ça me fait penser à la fin de l'heure, je devais le faire avant de me connecter et comme j'étais un tout petit peu en retard et que j'ai expliqué à Emma, j'ai pas eu le temps de le faire pour votre cours d'informatique de cette semaine, maintenant qu'on a 2 semaines de distanciel en plus à la rentrée. À partir de la rentrée, on va refaire cours d'info ensemble. Je pense qu'on va bosser sur des exos type à un moment on avait fait, je vous avais dit, donner tous les exos de concours qui avaient été donnés les dernières années, on avait bossé certains exos. Donc on va bosser à la rentrée, je vous le dis, les exos sur le principe de dichotomie, ce qui me permettra de réexpliquer vite fait le principe et de vous faire faire quand même un travail en TD. Pour cette semaine, comme la semaine dernière c'était le principe de dichotomie, je vous mettrai en lien dans le chat d'ici la fin de l'heure. Mais sinon elle est trouvable sur YouTube. Il y a une vidéo pareil d'informatique sur le principe de la méthode des rectangles que vous avez notamment potentiellement entendu parler en terminale. Donc qui est le deuxième algorithme de référence qui nous reste à travailler. La méthode des rectangles n'est encore jamais tombée au concours depuis que c'est une méthode de référence depuis 7 ans. Comme je le dis depuis 2 ans, ça risque de tomber bientôt.
vu que c'est encore jamais tombé. Typiquement, il y a 4 ans, la dichotomie n'était encore jamais tombée, et depuis, elle est tombée 5 fois en 2 ans. Enfin, il y a même 4 ans, non, c'est en 2019. Elle est tombée 3 fois en 2019, une fois en 2020. Donc, il y a un moment où ils vont se dire, ah, ça, on l'a toujours pas fait, il va falloir qu'on s'énerve un peu là-dessus. Donc, je vous le dis, la méthode des rectangles, je vous mettrai un lien vers la vidéo de la méthode des rectangles tout à l'heure. Voilà. On va peut-être pas faire tous les calculs, je vous laisse le faire. Je vais juste en parler quand même un tout petit peu de cet exo pour que vous puissiez le vérifier. Il y a un corrigé normalement en ligne sur internet, je pense, de celui-là. C'est le calcul de cette intégrale-là. Montrer que l'intégrale est convergente et la calculer. Et dans cette intégrale-là, je vous le dis, parce que le changement de variable est proposé, c'est poser U qui vaut 1 sur T. Et si vous faites ceci, je vous laisse mener les calculs, mais vous devez y arriver sans trop de difficultés. En posant U égale 1 sur T dans les calculs, vous devez arriver à montrer que cette intégrale-là est égale à, en fait, à moins la même intégrale. Si vous faites le changement de variable, vous allez normalement arriver à retrouver ceci. C'est un calcul de changement de variable un peu technique, donc ça vaut le coup de s'y entraîner. Et donc forcément, si une intégrale est égale à moins elle-même, entre guillemets, ça montre que si j'appelle ça i, ça montre sans trop de difficulté que i vaut 0. Parce que si j'ai x qui est égal à moins x, ça fait 2x égale 0, et donc ça fait bien x égale 0. Donc si vous voulez vous entraîner au changement de variable sur une intégrale impropre, donc bien sûr revenir avec une borne finie a et la faire retendre vers plus l'infini, très très bon exercice, cet exercice 3.1, et il est déjà corrigé. Ok. Passons un peu à la suite et faisons lequel je vais attaquer en premier. Faut qu'on fasse des choses classiques maintenant. On va aller montrer. Oui, celui-là il est bien. Est-ce qu'il est bien expliqué ou comment marche la récurrence? C'est juste écrire comme ça. Alors, c'est la variante. C'est à la fois l'exercice. On va travailler à la fois sur l'exercice 12 du poly. Mais aussi en même temps sur. C'est parce qu'on va utiliser les notations des deux côtés pour s'aider. Mais c'est plus les calculs de l'autre exercice que je veux. Mais c'est le même exo en fait. Enfin, c'est pas la même source. Mais l'exercice 12 d'un côté, qui est un exo de l'EDEC. Et moi, ce que j'avais mis dans le poly, qui est la même chose, mais écrit un tout petit peu différemment, c'est l'exercice 4. Donc, c'est la même chose. D'un côté, ma notation, c'est, j'appelle ça IN, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré à puissance n dt. Et dans l'autre exo de l'EDEC, il travaille avec un truc un tout petit peu plus général qui est un de alpha, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t puissance alpha puissance n dt. Et donc le lien entre ces deux exos, c'est que si je pose alpha égale 2, je me retrouve avec exactement le même exo d'un côté et de l'autre. Juste que dans mon exercice 4, je sais pour le faire chaque année à peu près, il y a une relation de récurrence à trouver sur ma suite IN, mais je ne vous la donne pas. Alors que dans l'autre sujet, ils vous disent bien, en question 2A, de montrer par une intégration par partie qu'on peut prouver que UN, alors il n'y a plus de alpha dans le reste de la suite, mais c'est la même notation. UN, on peut écrire que c'est du N alpha UN moins UN plus 1. Donc pour nous doit pouvoir s'écrire un égale à du 2n un moins un plus 1. Donc on va essayer de trouver une relation de récurrence sur cette suite par IPP, et si on n'y arrive pas, on va se baser sur ce petit résultat là pour essayer de trouver la relation qu'on veut. Et je vous expliquerai mon indication de l'exercice 4. Donc allons-y. Je vais reprendre les notations de mon exercice 4 vu qu'elles sont moins lourdes, il n'y a pas de alpha, il n'y a pas de un. Pour une intégrale, c'est plus classique de l'appeler IN en général. Mais allons-y. Essayons de prouver la convergence de cette suite d'intégrales et trouvons une relation de récurrence et calculons-les.
Donc voilà un exo complet où il n'y a que le début qui a à voir avec les intégrales impropres quasiment. Et où à la fin, bah, on retombe sur un exo classique, mais où il faut savoir faire les calculs. Donc allons-y. Donc je vais plutôt utiliser la notation de l'exercice 4 au final, mais c'était pour vous faire ce lien-là. Ce lien-là, on va s'en servir à un moment. Donc première question, montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, montrer que in converge. Alors que l'intégrale in converge. Sachant que puisque je parle de pour tout n appartenant à n étoiles, je ne fais pas tendre n vers plus l'infini. Là, c'est vraiment à n fixé la convergence de l'intégrale. Donc n est fixe et je veux parler de la convergence de l'intégrale in qui est là. Toujours bien faire attention à ça sur ces suites d'intégrales, parce qu'ensuite on va parler de la convergence de la suite in. Donc ici, ce n'est pas la convergence de la suite, c'est la convergence de l'intégrale. Première chose à dire, c'est le domaine de définition de la fonction sous l'intégrale. Donc il y a un truc qui est à peu près clair, c'est que ceci est un c'est continu sur R en tant que polynôme. Donc par passage à l'inverse, ceci au final est continu. Si 1 plus t carré puissance n différent de 0. Est-ce que quelqu'un peut me dire pour quelle valeur ce 1 plus t carré puissance n vaut 0? Ou un argument pour me dire pourquoi il ne vaut pas 0? Il s'interroge encore au hasard, je peux le faire. 3. Simon, pardon, j'avais pas vu. Et Inès aussi, pardon. Donc Simon, vas-y. Après, j'interrogerai aussi Inès. Il peut pas valoir 0 parce que 1 plus t carré égale 0, il faudrait que t soit négatif et t, il est compris entre 0 et plus l'infini. Cet argument est faux. 1 plus t carré égale 0, il faut pas que t soit négatif. C'est autre chose que ça. Inès, t'avais autre chose à donner là-dessus? Bah non, ce que je voulais dire, c'était que comme c'était puissance n, bah en fait c'était ça, bah comme c'était puissance n, ça peut pas être égal à 0, puisque une puissance c'est, par exemple, 0 puissance quelque chose, ça fait 1, non? Ou c'est l'inverse? Ah non, c'est n'importe quoi puissance 0 qui fait 1, Inès. Ouais, bah du coup, bah même dans tous les cas, ça peut jamais être égal à 0, puisque c'est 1 plus 1 carré. Ah, c'est surtout ça, et c'est pour ça que ton histoire de t négatif m'intéresse pas du tout, Simon, là-dessus. C'est parce que 1 plus t carré égale à 0, quand tu m'as dit t négatif, mais t'as oublié de parler du carré. C'est juste 1 plus t carré égale 0, c'est équivalent à t carré égale moins 1, impossible, car un carré... est toujours positif. Hop. Alors du coup j'étais parti là-dessus, oui c'est ça, donc c'est ce qu'a dit Baptiste ou ce qu'a dit Arthur, c'est la même chose, t carré plus 1 c'est donc toujours plus supérieur ou égal à 1. Voilà, donc ça c'est un argument pour dire donc que la fonction la fonction qu'on considère, elle est continue sur R. Ce qui implique que notre intégrale in est impropre uniquement en plus l'infini. On a toujours quand même des points où on est impropre dès qu'on a des bornes infinies. Ok. Je vais interroger quelqu'un du coup pour essayer de voir ce qu'on peut dire, pour essayer de voir si cette intégrale est convergente ou divergente en plus l'infini. Donc allons-y pour le candidat numéro 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gaspard! Bah déjà, on peut voir si elle diverge grossièrement. Alors, le but de la question, déjà, c'est de prouver que ça converge. Deuxième chose. Deuxième chose, la divergence grossière. Je n'en ai pas parlé du tout pour les intégrales impropres. Ça a du sens pour les séries. Alors, je peux en parler après. Ça n'a pas de sens pour les intégrales impropres, mais on va parler de monstres absolument ignobles. Alors. Non, donc c'est plutôt comprendre. Donc pour que cette intégrale converge, il faut comprendre ce qu'on peut dire de ce terme-là quand n tend, enfin pas quand n, quand t tend vers plus l'infini. Donc j'ai juste envie de faire des calculs assez simples. Ça,
Gaspard, c'est du 1 plus t carré fois 1 plus t carré fois 1 plus t carré n fois. Bah, du coup, on compare à une série. Non, bah non. Alors, on va faire encore plus simple. On va comprendre la vitesse de ce terme. Chacun des termes que je t'ai mis dans le produit, là, est-ce que tu peux me dire il est équivalent à quoi? Chacun des produits. Bah, ça tend vers 0, non? Non, oui. Enfin, 1 sur A, oui, ça tend vers 0. Mais c'est pas un équivalent. Équivalent à 0, c'est interdit. C'est à quelle vitesse ça tend vers 0? Et je te rappelle que c'est un quotient de polynôme. Donc, c'est assez facile de trouver un équivalent de quotient de polynôme à l'infini. C'est équivalent à 1 sur t carré. Exactement, 1 sur t carré. Le deuxième terme à 1 sur t carré. Et le dernier terme à 1 sur t carré. Au final, notre quantité, elle est équivalente à du 1 sur t puissance 2n. Et ça, c'est convergent? Oui, parce que comme n est dans n étoile, n est plus grand que 1. Donc 2n est plus grand que 2. Donc ça, c'est plus petit que du 1 sur t carré, entre guillemets. Donc c'est convergent. Mmh. Voilà, donc cette quantité, elle est équivalente à du 1 sur t puissance 2n. Or, n supérieur ou égal à 1, ça implique 2n supérieur ou égal à 2. Ce qui implique que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t puissance 2n dt converge, comme l'intégrale de Riemann, par critère d'équivalence. Je rappelle que la fonction qui a t donne 1 sur 1 plus t carré, c'est pas très très dur, on en a parlé tout à l'heure pour dire qu'elle s'annulait pas, elle est positive, on est bien sur les fonctions positives. Par critère d'équivalence, on a que l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré puissance n dt converge. Je reprends la même borne qu'ici, encore une fois, pour être précis. Et ensuite, j'en déduis, puisqu'on n'avait pas de problème d'être impropre ailleurs, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré puissance n dt converge. Cette étape intermédiaire avec le 1, elle n'est pas obligatoire. Ça passe sans problème de passer directement à l'intégrale en 0, mais attention à ne pas aller mettre une borne 0 pour l'intégrale de Riemann. Ça ne passera pas. Est-ce que ça va pour la convergence de ce truc-là pour tous? On aurait pu se comparer à Riemann, hein, mais il y a un moment, il aurait fallu prendre un équivalent de toute façon. Donc, il faut prendre des équivalents de ces quantités. Voilà, donc on a la convergence de cette intégrale. Alors, c'est là où je veux utiliser ma deuxième question et mon indication pour vous aider, parce que je suis sûr que si c'était un sujet de concours, elle serait fermée, cette question, et pas ouverte, vu qu'elle est trop dure, sinon. Mais maintenant, donc, je veux trouver une relation de récurrence sur la suite IN. Donc, relation, c'est la question 2, relation de récurrence sur IN. Et on va même faire mieux, vu que le sujet nous dit de prouver, avec si j'utilise l'exo 12, là, que IN, c'était du 2N, IN moins IN plus 1. Donc, on peut aussi juste prouver ce résultat-là, comme nous le demande l'énoncé. Mais on va essayer de trouver une relation de récurrence sur la suite IN. Alors, allons-y. Donc, pour faire une relation de récurrence, on va plutôt partir du cran d'après pour essayer de voir comment on descend au cran d'avant. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur... Comment ça, on n'a pas besoin de prouver que ça converge sur tout le domaine. L'intégrale, elle va de 0 à plus l'infini, Hugo. J'ai prouvé que la fonction était continue sur R parce que je pouvais prouver qu'elle était continue sur R. Mais ici, l'intégrale, elle ne va pas de moins l'infini à plus l'infini. On pourrait considérer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Ça convergerait aussi. Ah, donc de 0 à 1, tu veux dire? Ah, bah, on a prouvé que le seul point où elle était impropre, c'était en 0. Donc l'intégrale de 0 à 1 est une intégrale parfaitement définie. Puisqu'on a bien prouvé la continuité proprement de cette fonction, il n'y a aucun doute là-dessus. Soyons clairs, vous oubliez de parler de la continuité pour dire qu'elle est impropre en plus l'infini.
Vous dites l'intégrale de 1 plus l'infini converge, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini converge, sans jamais avoir parlé de la continuité, je ne vous mettrai pas tous les points. Mais je pense vraiment que si vous avez prouvé proprement la continuité, enfin qu'il n'y avait pas de problème d'être impropre en dehors de plus l'infini, et que vous regardez le problème localement en plus l'infini, et que vous dites donc l'intégrale converge, ça me suffira très très bien. Et ça suffira à n'importe quel correcteur. Oui, c'est le fait qu'elle soit continue, puisque si la fonction est continue sous l'intégrale, l'intégrale existe. Point. Oui. Donc on regarde ceci maintenant. C'est du t carré, sauf que maintenant on a du n plus 1 dt. Alors, c'est là où il va y avoir des choses un tout petit peu plus compliquées et qu'il faut essayer de comprendre. Même via cette relation-là, hein, c'est pas si simple que ça du tout à prouver. Dans notre cas particulier, ça va peut-être bien se passer, mais de façon générale, c'est pas si simple que ça. Le sujet dit par IPP, et si vous regardez l'exercice 12, c'est aussi marqué par IPP. Est-ce que quelqu'un voit comment faire une IPP là-dessus? Et c'est là tout le problème, c'est que je vais être persuadé que vous allez savoir faire des IPP, pour certains, mais que ça va pas être de bonnes IPP. Alors, pas des bonnes par des erreurs de calcul, mais qui ne vont pas nous servir du point de vue des calculs de l'exercice. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas si simple que ça, cette IPP. Est-ce que quelqu'un voit quelle fonction il pourrait essayer de poser pour faire une IPP là-dessus? Tiens, je vais interroger au hasard. 13. Alors, qui est en 13? Vu que l'ordre change tout le temps, c'est pas mal ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. François! Je pense, enfin, là je suis pas sûr de sur quoi faire l'IPP. J'aimerais bien. Je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une composée de fonctions et si on n'essayerait pas de dériver le 1 plus t carré. Alors justement, à cause de la puissance n plus 1, ça irait pas. Ce serait une composée. L'IPP se fait sur un produit, justement. Donc non, ça va pas. Il faut voir un produit là-dedans. Donc soit on voit pas de produit. C'est pour ça que je sais que vous allez avoir plusieurs idées. Du coup, on pourrait séparer la puissance n plus 1. C'est-à-dire, en la séparant comment? Avec du 1 plus t carré, le tout à la puissance n fois 1 plus t carré. Alors ça, c'est une des deux idées que je pense que vous pouvez avoir, qui me paraît pour vous complètement raisonnable et qui ne va pas marcher. Alors, mais c'est une très bonne idée. Pourquoi? Alors, c'est pas une très bonne idée, c'est une semi-bonne idée. Qu'est-ce que tu primitives maintenant là-dedans et qu'est-ce que tu dérives là-dedans? François, J'aurais primitivé le premier sans la puissance n, et j'aurais primitivé celui avec la puissance n. T'aurais dérivé celui avec la puissance n plutôt, mais oui, c'est ça. Alors ça me paraît complètement logique parce que normalement vous savez que ça primitive, ça fait du arctan. Et ça, du coup, dérivé, ça va pas être trop dur. Quand vous dérivez ce terme là. C'est une dérivée de composé, donc c'est la dérivée, si je pose en fait, je pose tout simplement 1 plus t carré puissance moins n. Je vais refaire un calcul de dérivée de composé, vu que vous avez du mal avec ça. Et j'ai envie de tricher, j'ai réfléchi à une méthode, comme j'ai vu que vous aviez du mal au dernier DS. J'ai réfléchi à comment je pourrais vous montrer comment on peut tricher sur ce genre d'axo. L'idée pour dériver ça, c'est qu'il y a une composée entre x puissance moins n et ça. Et donc du coup l'idée c'est je vais poser moi une fonction intermédiaire, par exemple x de t c'est 1 plus t carré, et je vais juste vous dire que la dérivée c'est du la dérivée de. Donc je vais la noter comme ça même si c'est horrible. Si du moment que vous arrivez à dériver, je m'en fiche, mais ça c'est, pour moi c'est du x' de t. Il faut rajouter toujours la forme. Non, x n'était pas une bonne lettre vu que je vais mettre des fois. Je vais poser, j'ai déjà V, donc je vais poser A de T, c'est 1 plus T carré, et vous ne réfléchissez pas, vous dites juste que V c'est du A prime de T, et ensuite, c'est très moche écrit comme ça, mais vous me dérivez l'autre fonction qu'il y a derrière, donc vous me dérivez A de T, c'est pas du tout correct comme notation, mais du moment que vous avez bon, je m'en fiche, vous me faites la dérivée de ça. Donc il y a du A prime, parce que dans toute forme de référence, il y a du A prime, et la dérivée de la puissance moins N, ça va me faire du fois moins n a puissance n moins 1. Et si vous le faites, pardon, moins n moins 1. Et donc ça a marché. Maintenant, vous réécrivez votre a. Ça va me faire du 2t
fois du moins n fois du 1 plus t carré puissance moins n moins 1. Et si je réécris ça proprement, ça me fait du moins 2tn sur 1 plus t carré puissance n plus 1 au dénominateur. Donc ça fait ça. Si vous faites cette IPP là. Mais quel est le problème? Le problème vient pas de cette dérivée là qu'on peut trouver et qui marche très très bien. Le problème vient que la primitive en arctangente, comment en primitivant en arctangente, vous allez pouvoir retomber à une constante près qui est 2n sur du in et sur du in plus 1? C'est pas possible. Vous introduisez une fonction qui n'est pas du tout dans l'expression de in, vous n'allez pas du tout pouvoir vous en sortir. Donc ta proposition d'IPP, François, me paraît tout à fait raisonnable d'un point de vue de faire des IPP. Mais par contre, d'un point de vue de trouver une relation de récurrence sur la suite, parce qu'on va changer la forme de la fonction avec quelque chose qui ne ressemble pas à IN, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que je trouve cette IPP super dure. Parce que ça, c'est pas une bonne idée. Alors pendant qu'on faisait cette IPP là, Alexis est tombé sur l'autre problème qui va nous arriver si vous voulez faire une autre idée. Et cette deuxième idée, je sais que vous l'avez de façon raisonnable. C'est que Alexis s'est dit, bah, on voit ça comme du 1 fois la puissance n plus 1. Donc on pose U' égale ça et on dérive encore une fois l'autre. Ça peut déjà être une meilleure idée. Ça a déjà mieux marché. Mais on va devoir quand même faire apparaître des choses. Enfin, il y a quand même le calcul de dérivée qui doit être pris en compte. Et il va quand même falloir remarquer quelque chose derrière. Mais ça, c'est une idée bien plus raisonnable pour essayer de mener cette IPP. Donc, si je pose U' qui vaut 1, ce qui change, c'est que V de T, c'est du 1 plus T carré puissance N plus 1. Et dans ce cas-là, je ne refais pas tous les calculs. En fait, le V' de T, c'est la même chose que ce que j'ai fait ici avant. Sauf que j'étais parti, moi, de la puissance moins n, et qu'ici, il faut que je parte de la puissance moins n plus 1. Donc, je dois juste décaler tous mes indices moins n et n plus 1 partout. Donc, ça va me donner tout simplement du moins 2t. Le n va devenir un n plus 1. Et en bas, le 1 plus 2t puissance, ça va me donner du n plus 2. Donc si je fais le calcul avec la méthode d'Alexis, ça va mener à ça. Alors, ça c'est déjà un tout petit peu mieux, mais on va voir que ça suffit pas et qu'il faut une autre idée en plus. C'est pour ça que je la trouve dure, cette question. Sauf quand elle est fermée comme elle est donnée. Hop, j'efface mes calculs pour pouvoir continuer. Je garde mon équation triche là-haut. Donc si je fais mon IPP, alors dernière chose, attention, c'est une IPP, je ne peux pas faire d'IPP sur une intégrale impropre. Donc on va le faire sur l'intégrale de 0 et on va mettre une borne A. Donc ça va me faire le crochet des deux fonctions que j'ai cherchées, donc du 1 sur 1 plus t carré puissance n plus 1. Non, j'ai pas fait le calcul, mais u de t ici, ça valait u de t. Ça vaut t, pardon, donc ça va me faire du t sur ça, entre 0 et a. Et je vais me retrouver avec du moins l'intégrale de 0 à a, donc des deux fonctions que j'ai cherchées, ce qui va me donner du moins 2t n plus 1 sur 1 plus t carré puissance n plus 2, et j'ai du fois t dt. Je me permets d'effacer mes petits calculs de dérivée ici en dessous. Et donc ceci, si je calcule le crochet, ça va me faire du a sur 1 plus a carré puissance n plus 1 moins 0. J'ai du moins moins et je peux sortir les constantes de l'intégrale, ça va me faire du 2n plus 1. Et il me reste l'intégrale de 0 à a. Et là maintenant, je suis tombé sur du t carré 1 plus t carré puissance n plus 2 dt. Voilà, cette IPP là, elle me paraît beaucoup plus raisonnable parce qu'on a quelque chose qui ressemble à l'intégrale de base. Alors ce n'est pas pile l'intégrale de base. Et là, il y a une idée à avoir pour faire apparaître ce qu'il faut.
Et deuxième chose, on est en train de voir qu'on est en train de faire un truc un tout petit peu tordu, vu que j'ai mis un 2n plus 1 en facteur, alors ce qui est indiqué dans l'énoncé là-haut, c'était du 2n. Donc on va voir que l'idée, si on la pousse nous-mêmes jusqu'au bout, on va avoir un truc un tout petit peu décalé d'un cran par rapport à ce qui était donné avant, mais ça va marcher quand même. Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment travailler ce terme-là pour faire réapparaître des intégrales du type IN, ou IN plus 1, ou ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait pour que ça ressemble à ce qu'il y avait avant? C'est un truc tout bête, mais il faut y penser. Enfin, il faut y penser si vous êtes là-dessus pour gagner du temps, et pour pas perdre du temps avec une autre méthode. Je vous montrerai notre méthode après. Enfin, non, parce qu'on va pas avoir beaucoup, beaucoup de temps ici. Mais on peut s'en sortir autrement après. Personne a d'idée? Oui, si, ça va être ça, Oussama. C'est exactement ça. Il faut faire apparaître des termes. En fait, le t carré est gênant en haut. Sauf que t carré est gênant, mais en bas, j'ai du 1 plus t carré. Donc, si je fais apparaître du 1 plus t carré en haut, je vais pouvoir simplifier une puissance et gagner des calculs. Donc, c'est exactement ça. Je continue mon calcul là-haut. Ça me fait donc du a sur 1 plus a carré puissance n plus 1. Et ce que je vais écrire, c'est du 2n plus 1 intégrale de 0 à a de t carré plus 1 moins 1. Et je vais même séparer ma fraction en deux. Ça va me faire du t carré plus 1 puissance n plus 2 moins 1 sur t carré plus 1 puissance n plus 1. Non, c'est du n plus 2 encore, pardon. Dt. Voilà ce que ça donne. J'efface mes autres calculs. Cette intégrale-là, puisque je ne suis pas sur des intégrales convergentes, mais sur des intégrales finies, je peux séparer par châle sans réfléchir et faire n'importe quoi. Ça va me donner du A, donc j'ai toujours mon terme parasite, mais que je vais faire disparaître après, qui est là. J'ai mon 2n plus 1. Et là, maintenant, je peux les séparer en deux intégrales. La première intégrale, ça va me donner, en simplifiant la puissance, en disant que ceci est une puissance 1, ça va me donner tout simplement du 1 sur t carré plus 1 puissance n plus 1 dt. Et l'autre intégrale, ça va me faire du moins 0 à a, 1 sur t carré plus 1 puissance n plus 2 dt. Et en fait, maintenant, si je fais tendre a vers plus l'infini, j'étais parti du terme in plus 1. Et si je fais tendre quand a, pardon, tend vers plus l'infini, ça tend, bah, ce premier terme tend vers 0 par croissance comparée. Le dénominateur est un croissance comparée, ou tout simplement parce que ce terme-là, il est équivalent, le premier terme, à du a sur a puissance 2n plus 2. Donc c'est clairement un truc qui va vers 0, la puissance est plus grande au dénominateur. Je me retrouve avec du plus 2n plus 1, et la première intégrale, c'est juste du in plus 1. Et la deuxième intégrale, c'est du in plus 2. Donc en fait, on vient de prouver que in plus 1, ça fait du 2n plus 1, in plus 1, moins in plus 2. Et donc la relation qu'il proposait de prouver par IPPE, dans cette intégrale-là, dans l'exercice 12, le sujet de concours, c'était exactement ça, en partant de in. Comme dans mon exercice 4, on propose d'essayer de trouver une relation de récurrence, ça me paraît logique, moi, de partir du terme de plus haut et d'essayer de descendre le degré, donc d'être parti de in plus 1. Mais eux, comme ils nous l'ont marqué là-haut, on avait du in en fonction de in et in plus 1. Donc si on était parti de in, on aurait exactement la même relation que là-haut. C'est juste qu'elle est décalée d'un cran, entre guillemets, cette relation, mais on a bien prouvé la bonne relation. Voilà. Alors, l'idée du plus 1 moins 1, elle n'est pas très très simple. C'est pour ça que l'autre solution pour le prouver, ce truc-là, c'est de repartir du membre de droite. Une fois que vous avez fait votre IPP et que vous avez votre intégrale avec un 2n t carré en haut, vous repartez, donc c'est, en gros, vous êtes parti de ce membre-là et vous êtes arrivé à un membre C, bah vous repartez de B, vous allez aussi vers le membre C qu'on avait obtenu avant de faire apparaître le plus 1 moins 1 et on s'en sort. Mais on ne peut s'en sortir que si la question est fermée.
Si la question est ouverte, trouver la relation de récurrence, c'est plus dur. Bon, souvent à l'écrit, elle vous sera fermée, hein, cette question, parce que ça bloque trop si vous n'avez pas la relation de récurrence. Ok. Est-ce que je peux effacer les calculs pour finir vite fait cet exercice? Et on arrêtera là pour ça. Je peux effacer? Allons-y. Alors, on va finir par quelque chose qui n'a rien à voir avec les intégrales impropres, mais c'est pour finir cet exercice proprement, enfin, correctement. Maintenant, j'ai une suite qui est certes définie par une intégrale convergente, mais c'est une intégrale. Enfin, maintenant, j'ai une relation sur la suite. C'est-à-dire que j'ai la relation qui est en bas ou la relation qui est en haut. Je vais plutôt repartir de la relation qui est en haut, vu que c'est la même des carrés d'un cran. Donc, je vais repartir de la relation qui est là-haut. On sait que in, ça vaut du 2n, in moins in plus 1. Alors, cette relation, elle est mauvaise parce qu'elle n'est pas résolue en in. En in plus 1, pardon. Donc, je vais essayer de l'écrire autrement. Ça fait du in moins 2in qui est égal à moins 2n in plus 1. Donc, ça me fait, si je réécris les choses un tout petit peu mieux, du 1 moins 2n in qui est égal à moins 2n in plus 1. C'est équivalent à écrire que j'ai du 1 moins 2n sur moins 2n in qui est égal à in plus 1. Et donc là, c'est juste par pure esthétique. Je vais enlever les moins. Ça, c'est la même chose que de dire que 2n moins 1 sur 2n in. J'ai cette relation de récurrence là, sur ma suite in. Alors, le but de l'exercice 4, mais qui était aussi le but du sujet de l'exercice 12, maintenant sur cette suite-là, c'est d'en trouver l'expression en fonction de n. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ça fait appel à quelle notion qu'on a vue il y a un gros moment? Ça, c'est de la révision. Comment, à partir d'une relation de ce type-là, je peux obtenir l'expression de in? Il va me manquer quelque chose, je vous le dis, à un moment on va aller calculer I1. Et I1, sans trop de difficultés, elle va vouloir pi sur 2. Mais on le fera après, si on a le temps, ce petit calcul de I1, c'est pas très 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 dur. Oh oh. Alors justement, Simon, tu veux passer par une suite géométrique, sauf que c'est l'idée, mais c'est la fausse idée et la bonne idée quand même. Enfin, sauf que la raison de ta suite géométrique n'est pas une constante. Non, équation limite, c'est pas une suite autonome, c'est pas une équation autonome, tu t'en sortiras pas, Alexis. Comment tu veux faire tendre n vers plus l'infini avec du 2n-1 sur 2n? Ça dépend de n. Oui, la bonne technique qui ressemble à la géométrique et qui est pas ça, c'est exactement ça, Manon, c'est de faire un produit télescopique. Ça, c'est une suite récurrente qu'on fait par produit télescopique. C'est-à-dire qu'on peut calculer de proche en proche tous les termes de la suite. Alors, je vous rappelle, on écrit la relation de récurrence à un rang quelconque. Donc, par exemple, on va faire du ik plus 1 qui est égal à du 2k moins 1 sur 2k ik. Ce qui est équivalent, le but c'est de faire apparaître un produit télescopique, donc on va le faire apparaître sous forme de quotient. Ik plus 1 sur ik, ça fait donc du 2k moins 1 sur 2k. Maintenant que j'ai écrit ma relation, je sais donc que le produit, si je vais faire varier k de quelque chose à quelque chose, je ne mets pas les bornes de ceci. D'un côté, entre guillemets, encore une fois, par l'exo, ça va me faire le produit pour les mêmes bornes de 2k moins 1 sur 2k, et ça, je dois savoir le calculer, vu que c'est le produit des termes impairs et le produit des termes pairs, et on sait faire. Et de l'autre côté, par le cours, sur les trucs télescopiques, en fonction des bornes que je vais mettre, je vais pouvoir le calculer comme des valeurs qui m'intéressent. La valeur qui m'intéresse, moi, c'est in, et la valeur que je pourrais connaître facilement, c'est i1.
Donc la question maintenant, et j'ai fini, et on va pouvoir finir cet exo, c'est quelle borne je dois mettre ici et ici, ou c'est les mêmes, mais ici et ici, mais c'est plutôt avec ça qu'il faut réfléchir, pour que ça me fasse du IN sur I1. Alors, et pour ça, demandons à 21. Ah, Mohamed Amine, tu veux participer? Excuse-moi, j'avais pas vu ta main levée. Oui. De 1 à N-1. De 1 à N-1. Exactement. C'est exactement ça. Je rappelle que le terme du bas doit prendre la borne la plus petite. Enfin, l'indice le plus petit doit prendre la borne du bas. Donc, l'indice le plus petit ici, c'est I1 et c'est IK. Donc, K vaut 1. Et il faut que IK plus 1, il faut que, pour que IK plus 1 soit égal à IN pour la borne du haut, il faut que K plus 1 égale N, ce qui donne bien ici du N moins 1. Donc on a N moins 1, le moins est mal passé, c'est un moins entre les deux. Donc on se retrouve à dire que IN sur I1, c'est le produit pour N égale K égale 1 N moins 1 des 2K moins 1 sur 2K. Reste à calculer ce produit télescopique et on a gagné. Alors je vais le faire, mince, ça c'est ce que je venais d'écrire, excusez-moi. Je vais plutôt effacer là-haut. Maintenant que j'ai ma relation de récurrence, ça ne me gêne pas. Donc ça revient à me dire que IN sur I1, c'est le produit pour K égale 1 à N moins 1 des 2K moins 1 sur 2K. Qui fait le produit pour k égale 1 à n moins 1 des 2k moins 1 sur le produit en bas pour k égale 1 à n moins 1 des 2k. Alors je vous rappelle, c'est les produits de paires et les produits d'impairs. Soit vous connaissez vos formules par cœur, tant mieux pour vous. Soit vous n'arrivez pas à les retenir et vous êtes comme moi. C'est pas très très grave, du moment que vous savez les retrouver très très vite. L'idée, si je l'écris en trois petits points, c'est que ça c'est du 1 x 3 x 5 x 7 au numérateur, c'est que les impairs. Et quand k vaut 1, ça fait bien 1, donc ça fait tout ça. Et je m'arrête jusqu'à, je dois aller jusqu'à n-1, donc je vais aller jusqu'à 2n-3. En bas, j'ai tout simplement du... Bah, je commence à 1, donc j'ai du 2 x 4 x 6 x... Et je continue comme ça jusqu'à 2n-2. Ah, donc je vais pouvoir écrire ça avec des factoriels facilement du moment que je compense les factoriels. Et les factoriels à compenser en priorité, c'est surtout celles au numérateur, parce qu'on ne peut rien faire avec les factoriels d'impairs. Et on est obligé de repasser, de faire intervenir en haut en plus les factoriels de termes pairs. Pairs pour compléter les impairs. Pardon, excusez-moi. Donc ceci, je vais le réécrire comme tout simplement. C'est du 1 x 2 x 3. Je force les termes pairs à apparaître en haut et en bas. Et je vais aller jusqu'à. Je peux aller jusqu'à 2n-2. Alors je vais mettre du 2n-3 et après je vais recopier fois 2n-2. Et en bas, je vais mettre du 2 x 4 x 6. Bah, tout ça, vu que je vais refaire apparaître en haut en plus, ça me fait juste ceci au carré. En haut, j'ai gagné. En haut, j'ai fait apparaître 2n-2 factoriel. Et en bas, pour que vous le voyez mieux, je pense qu'il faut que je reparte en produit. Ça fait le produit... En fait, j'ai juste mis un carré en fait en bas. Donc, ça fait le produit pour k égale 1 à n-1 des 2k au carré. Enfin, ça fait le produit des 2k, pardon. C'est la même chose. Hein. Les 2k, et ça, je vais le mettre au carré. Ce sera mieux. Le produit de deux termes, ça fait le produit des termes séparés. Oula, j'ai décalé. Ça fait du 2n-2 factoriel fois le produit pour k égale 1 à n-1 des k au carré. Fois le produit pour k égale 1 à n-1 des 2 au carré. Et donc je vais finir... Oula, je ne sais pas pourquoi mon écran se décale. Je vais finir là en bas. Ça me fait donc du 2n-2 factoriel sur le produit des k. Vous devez le savoir, là par contre, ça c'est de la référence. Ça me fait du n-1 factoriel au carré. Et le produit des deux, ça va juste me faire du 2 puissance n-1, 2 puissance nombre de termes au carré. Et voilà ce que ça vaut IN sur I1.
Si on calcule I1 maintenant, on aura la valeur de IN. Et je vous le rappelle, I1, ça valait pi sur 2, parce qu'en fait, c'est juste un truc qui se primitive en arctangente. Il n'y a rien de très très dur là-dedans. Oui, Mohamed Amine ? C'est que tu n'avais pas baissé la main, ou alors ? Non, monsieur, pour le produit de k égale à 1 à n-1 de 2k-1, oui. Est-ce qu'on aurait pu faire un changement d'indice, puisqu'on sait que la formule, c'est de k égale à 0 à n de 2k plus 1. Ah oui, bien sûr. Oui, poser un j égale k-1. C'est ça. Exactement, oui, bien sûr. Mais par contre, attention, tu te serais retrouvé avec du 0 jusqu'à n-2. Donc tu aurais dû adapter ta formule de cours que tu connais sur n en n-2, remplacer toutes tes n par des n-2. Ok, d'accord. Mais sinon, ça marche très très bien, bien sûr, bien sûr. Ouais.